Dès 4 heures du matin, les 4000 mètres carrés du hangar de l'agence de colis La Poste de Bois d'Arcy s'animent. Depuis le 13 novembre dernier, c'est près de 21 000 colis du Père Noël qui sont traités chaque jour, soit deux fois plus que d'habitude. Pour livrer les cadeaux du Père Noël, en fait, on s'organise dès le mois de septembre pour pouvoir répondre aux demandes des chargeurs, des clients, pour pouvoir passer ce flux et puis être dans les délais. Tous les colis qui arrivent sur la plateforme de Bois d'Arcy vont aller dans 49 communes du 78. Moi, mon obligation, c'est de les présenter dans la journée. À partir du 24, dans l'après-midi, ça devrait diminuer normalement, avant de repartir pour les soldes après. Pour répondre aux besoins de cette période exceptionnelle, l'agence s'organise en démarrant son tri à 5 heures du matin. Tous les colis qui arrivent de Moissy-Cramayel en Seine-et-Marne sont déversés sur un long tapis roulant. De là, les postiers trient, rangent et scannent leurs colis avant de partir en tournée vers 8 heures du matin. Là, pendant les fêtes, nous ouvrons à 5 heures du matin pour avancer un petit peu l'heure de tri pour pouvoir partir en livraison plus tôt. Nous renforçons nos équipes sur les communes où le flux va énormément monter, Versailles, Saint-Germain-en-Laye. On connaît ces communes-là, mais là, pendant les fêtes, on est obligé de renforcer les positions qui vont monter pour pouvoir sortir l'ensemble des colis. Les 119 camionnettes de l'agence permettront de réaliser 135 tournées quotidiennes, soit 35 de plus qu'à l'accoutumée, et de dispatcher au total plus de 325 000 colis du Père Noël pour le mois de décembre.